mademoiselle? Oui, non, monsieur. Bonjour. Moi, bonjour. Ouais. Je voudrais un chien. Là, c'est deux ans, un peu plus de deux ans d'attente, quand même. Deux ans? Oui, mais enfin, en même temps, nous, c'est du chien haut de gamme, hein. C'est pas n'importe quel chien. Hein. On garde que les meilleurs, ensuite on les forme. On l'éduque pour éviter les obstacles. Ah. Les portes. Merci. Trouver un siège, par exemple. Quand vous traversez, eh ben, ça aide vachement. C'est un rapport de journal. Ça peut rapporter, oui, parce que ça, c'est un peu comme si c'était vos yeux. On n'a pas trouvé mieux. Hein. Je crois que l'âne, c'est bien, mais il y en a moins dans la région. D'accord, bon, écoutez, là, on va faire court, ça vaut combien? Alors, compte tenu que, donc, on s'occupe de tout, de la naissance du chien, les nounous du chien, jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à la retraite, là, les vétérinaires aussi, qu'on paye la bouffe, évidemment, enfin, tout ça. Donc, sur une quinzaine d'années, grosso modo, à peu près, c'est... Voilà, à peu près. Plaisantez. Alors j'ai oublié de vous dire un truc important quand même, c'est que nous on vend pas de chiens. On les donne. Ah bon? C'est ce que ça nous coûte. Ah. C'est pour ça qu'on a besoin de dons. Par contre, si vous voulez faire un don, vous serez pas sûr de repartir avec un chien, mais en tout cas, si vous pouvez faire un don, c'est mieux quoi. Alors. Avec 15€, d'un seul coup, ça change tout. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est sûr. À chaque fois, c'est. Sûr. Combien, là? Le 22. Il faut donner. Il faut donner. Il faut donner pour les chiens guides. Les chiens guides de Paris. Ouais. Voilà, ça c'est important. J'aime beaucoup les ânes. Moi, j'ai un ami qui en avait, c'est vachement tendre. Les chiens, c'est pour ça que ça s'appelle chien guide. Hein.